les gens, on dit quoi? Bienvenue sur Ovella, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, Cardi B vient juste de sortir sa toute nouvelle chanson et son tout nouvel clip pour cette chanson-là et ça s'appelle tout simplement Hop. Voilà, donc on va essayer d'en faire une réaction en espérant qu'elle ne soit pas bloquée pour que je n'ai pas à la découper en 1000 morceaux, toi-même tu sais. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews et bien évidemment, je dois remercier mes validés pour leur soutien incroyable. Je viens de lancer le tout dernier sondage et j'ai l'impression qu'ils sont contents avec, donc ça fait plaisir. Merci les validés pour votre soutien. Allez, sans plus perdre de temps, on y va! Hey, tu as vu ça? Elle a le nom de son mari ou ex-mari, maintenant j'en ai aucune idée, Offset, sur ça, sur sa jambe là. Tous ces tatouages. Ok, elle est dans un cimetière. Elle a tué qui là? Elle a tué qui comme ça? Bro, j'ai l'impression encore une fois que c'est dans le même style que WAP, tu vois. Que même la, j'ai l'impression que la team qui a produit, qui a réalisé le clip, c'est la même équipe, quoi. Oh, sa mère. Quand vous avez entendu la basse là, la basse derrière, ça vous a rappelé quelle chanson belge de rap? Moi direct, ça m'a rappelé la chanson de Hamza et Damso. C'est quoi, comment elle s'appelle déjà? God bless. Mais direct. Et sachant que je kiffe God bless. Bien sûr que je vais kiffer celle-là. Hey! Merde, les basses là font tout le travail, je te dis. Mais t'as vu, c'est que des notes sombres. C'est des notes basses, hein, que ce soit le piano ou la basse. Bon, la basse c'est normal, mais le piano c'est des basses, c'est des notes basses. Et regardez à quel point c'est colorié. Ça me rappelle un petit peu les clips super colorés de 6ix9ine. Bon bah c'est vraiment très NSFW tout ça, hein. C'est pas pour les gosses comme d'habitude, vraiment Cardi B elle ne fait pas de la musique pour tout le monde, hein. C'est juste pour les adultes. Parce que vous savez ce qu'elle a entre les mains là, hein. Hit him with that good. donc c'est ça en fait la technique de Cardi B. C'est vraiment de choquer le public, ok? Que ce soit avec le clip ou même avec la musique assez simpliste, tu vois, mais accrocheuse. Damn! Yo, mais quand même, les clips sont bien foutus, hein. Y a rien à dire. Je veux dire, tout l'environnement autour d'elle, le maquillage et tout ça, même si c'est beaucoup, c'est trop, c'est exagéré, c'est quand même bien foutu, c'est propre. Yo, cette partie-là, quand la basse la rentre, le boum de boum de boum de boum de boum. Yo, et en plus, hein,
Non seulement c'est propre, mais c'est bien édité. C'est bien édité. Ah. Yes. Hey, mais... Non, mais ils sont sérieux, là. Ils sont en train de s'embrasser comme pas possible, comme ça, là. Et check-moi ça. Et mon frère, tu vois, je peux pas mettre ça dans la miniature. Si je mets ça dans la miniature, on va me bloquer la vidéo. Je vous le dis, hein. Faut pas mettre ça dans la miniature, là. No face, no case. C'est clair et net. C'est clair et net que vraiment, elle essaie d'avoir le plus de vues possible grâce au facteur choc, tu vois. Et ça veut pas dire que sa musique est nulle, hein, parce que voilà, Cardi B, elle a un bon flow. C'est pas une grosse kickeuse, tu vois. D'ailleurs, je préfère Nicki Minaj. Je trouve que Nicki Minaj est meilleure que Cardi B au niveau du kickage. Mais elle a une personnalité qui est intéressante, tu vois. Elle a peur de rien, elle a peur de personne, elle fait ce qu'elle veut. Et je pense que c'est vraiment ça que les gens apprécient chez elle. Et ouais, et d'ailleurs, on le ressent non seulement dans sa musique, mais aussi dans ses clips, tu vois. Donc voilà, moi je vous dis, ce son va sûrement se retrouver dans mon téléphone tout comme WAP, tu vois. Même si là en ce moment je l'écoute pas, tu vois, mais il est dans mon téléphone et de temps en temps quand je fais un shuffle, tu vois, et que la chanson arrive, je suis content, tu vois. Et ça sera, je pense, la même chose avec Up. J'espère tout simplement que tout l'album ne sera pas comme ça. Donc parce que je suppose que WAP et Up font partie d'un album, tu vois. Et j'espère vraiment que tous les sons ne sonneront pas de la sorte. Parce que sinon, ça fait... c'est redondant, là. Anyway, maintenant, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Prenez soin de vous. Stay safe. Et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment?